Salut à tous, je suis Gilvé et on se retrouve sur Memoria pour la suite de Civilization 6. Donc là, on reprend la partie. On va passer le tour, je pense pas que j'ai quelque chose à faire. Ce serait bien que je puisse faire la paix avec Chandragupta et Robert Bruce. Avec l'Écossais, parce que... Je sais pas s'ils s'approchent pour essayer... Ah tiens. Non, ça c'est Pays-Bas, je ne crains rien. Est-ce que Pays-Bas est en guerre contre un de ces deux-là? Elle est en guerre contre Chandra, contre Bruce, et contre quelqu'un que je n'ai pas encore rencontré, peut-être Lucri. Paire de suzeraineté de Genève. Genève, ok. On va essayer de récupérer ça. J'ai assez d'émissaires de toute façon. Ok. Il y a des merveilles qui sont en cours. On va essayer de voir. On va essayer de voir. Alors toi, qu'est-ce qu'on fait? La mosquée ou alors je fais une écurie ou... Oh, tu peux faire l'unité d'Oxford? Ouais, non, ça prend trop de temps. Langor Corvade, ça prend trop de temps. Le Taj Mahal, je suis pas trop fan de lui. Donc, si par exemple on gagne un score d'air plus 1 pour chaque moment historique qui en donne minimum 2. Donc ouais, c'est bof. C'est bof. On va faire une écurie. Pourquoi? Parce que si jamais je fais des unités ici, je préférerais... Non, je veux pas faire d'unités. Je voulais ça juste pour les habitations et la production. Donc ça ne change rien. Mais je vais quand même prendre écurie. Allez. On fait écurie ici. Cette ville, j'aimerais un petit peu plus la développer. J'ai envie de faire cette merveille. Comme ça, les amiraux illustres et les ingénieurs gagnent une charge additionnelle. Ça serait complètement pété. On va récupérer Genève. Où est-ce que t'es, Genève? T'es ici. Je vais mettre juste un. Ça me suffit amplement. Palanque. Croissance des villes qui possèdent un campus. Non, ça va aller. Alors, les routes. J'ai deux routes commerciales que je pourrais acheter. Est-ce que j'en mets une ici? On va en acheter une ici en tout cas. Négociant. Voilà. Dans un tour, je vais avoir le port. Ce serait bien de mettre des monuments, des remparts antiques. Mais moi, c'est le Holocée qui m'intéresse. Combien coûte un bâtisseur? 500 pièces d'or pour un bâtisseur. C'est chaud. C'est chaud. On va viser les négociants ici. Pour un petit peu bourrer l'arsenal de Venise. La Casa de Contratación. Avec mon magnifique accent de je ne sais pas où. Il y a un espion qui est ici, c'est bien. Avec un espion, on pourra peut-être essayer de voler de l'argent à gauche à droite. Comme ça, on peut un petit peu se lâcher sur les achats. Il y a un apôtre Mapuche qui s'approche. Ok. Ce serait bien que j'aille découvrir le monde quand même. Permettez-nous. Allez, une ambassade, vas-y. Mets ton ambassade. Ce sera bien. Je pense que là, je vais arrêter le truc, je vais faire un éclaireur. Je vais faire un éclaireur, comme ça, il va tracer en ligne droite et faire le tour du monde. Il m'en faudra un dans l'autre sens aussi, comme ça ils se rejoignent. Alors, l'apôtre, toi t'as fini ton truc. Donc, toi tu me sers de défense pour ma ville. Allez, mets-toi là et fais dodo. Alors, les routes commerciales, plus 3, plus 3 ici. Toi, tu commences là. Ça tombe à 19. 3, 3, il n'y en a pas d'autres. Chez dette. Ça tombe à combien maintenant? Ça tombe à 17 tours. C'est pas mal. C'est pas mal 17 tours. Alors toi, t'as fini donc le port. J'ai presque envie de lancer les remparts antiques. Parce que si je me fais... Les villes qui sont au bord de la rivière sont tellement faciles à prendre. Le Holocée, 64 tours. C'est chaud. Et ça va me bouffer une case. Mais j'ai pas trop le choix, j'ai pas... Attends, regardons un peu ici.
Léonard de Vinci, il vient avec sa culture pour les ateliers, c'est trop pourri ce truc. Allez, on va le commencer. On va le commencer. On va le commencer. Ouh, 60. Ouh, punaise, c'est un petit peu beaucoup. Un tout petit peu beaucoup. Le truc, c'est que c'est une des merveilles que les autres civilisations n'apprécient pas. À quelques civilisations près, mais je me rappelle plus lesquelles. T'as parfois des merveilles qui durent, mais des années sans être construites. Comme par exemple le Colisée. Là, le Colisée a été. Ah, il a toujours pas été construit. Le Colisée, franchement, les gens le délaissent. Mais depuis l'extension, je trouve qu'il y a quelques civilisations qui les font. Qui font le Colisée plutôt. Donc c'est pas mal. Alors, je regarde un petit peu mes stats. Regardons le classement. Je suis pas en tête. Et ça me prend la tête. Et en termes de score, qui est en tête en termes de score? Bien sûr que c'est moi, punaise. J'arrête pas de pondre des merveilles. Et tu me dis que je finis pas en tête. Même si les merveilles, attends, regardons un peu. Fichier détail. Les merveilles me donnent 135 points. C'est pas mal. L'empire qui est grand. Okay. Alors qu'est-ce qu'on a? On a rien du tout qui se fait. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit que je voulais un éclaireur. Ça doit se construire très vite, ça. Un éclaireur. Deux tours. Putain, c'est chaud quand même, deux tours. Ici, on va avoir notre espion. Il sera bientôt envoyé en mission. Ok, j'avais bien le machiavélisme demi. Et je vais avoir 500 et je vais acheter un bâtisseur. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je fais, mec? Qu'est-ce que je fais? L'Inde approche. Je vais essayer de faire la paix, ce sera mieux. Ce sera mieux qu'essayer de se défendre. Le mousquetaire s'est barré par là. Il y a un apôtre qui vient ici. On va essayer de l'accueillir. On va essayer de l'accueillir. Alors là, je passe plus dans une mon temps à attendre marché, les tours. Cependant, l'individu a parfois la possibilité d'échapper au pouvoir de l'État. Que je ne joue moi-même. Alors, l'espion, où est-ce qu'on va t'amener? J'ai pas rencontré beaucoup de villes. Toi. Le taux de réussite est vraiment très bas. Vraiment très bas. Est-ce que t'as une autre... Le taux de réussite est relativement bas. Allez, on va quand même... On va l'envoyer à la capitale coréenne. Voilà. Ouh, un personnage illustre. Ouvrir l'arbre des dogmes. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah vas-y. Qu'est-ce qu'on peut recruter? Ouh, Filippo Brunelleschi. C'est pas grave. Punaise, production plus... Oi, oi, oi. Ah lui, il est fumé. Ah mais c'est génial. Quel a été l'idiot à prendre le... L'autre ingénieur. Punaise quoi. Plus un de culte. Oh là là, mais celui-là il était pourri. J'ai envie de dire merci l'écossais. Merci d'être aussi intelligent. Alors est-ce qu'on commence l'Angor Corvat? Il faut 710. 710. Avec l'ingénieur, je peux faire n'importe quelle merveille. Je peux faire n'importe quelle merveille. On va te déplacer. On va te déplacer, on va te mettre ici. D'accord. Ah oui, c'est vrai, la paix avec... C'était qui que j'avais vu ici? C'était des Varous, je crois. Faisons la paix. Non, il va pas me payer. 58 par tour pour faire la paix. Je peux te donner peut-être une ressource. Ouh. Aïe aïe aïe. Finaise. C'est parce que j'ai détruit aucune de ces unités. Alors, Langor Corvat, j'aimerais bien la faire.
Près d'une rivière, ce serait génial. Ok. Ok. On va faire quelque chose d'intéressant. On va essayer du moins. On va essayer du moins. Je vais essayer de mettre l'Angkor Vat ici. Voilà. C'était un aménagement, donc il n'y a pas de problème. J'aurais pu la mettre ici, mettre un aménagement là, c'est pas grave. Ce que je veux faire, c'est cette case. Cette case-là. Et je vais mettre un marqueur. Et je vais mettre... comment ça s'appelle? Place de théâtre? Place de théâtre. Ok. Ici, la place de théâtre, ça va faire un bonus de fou. Un bonus que j'ai jamais eu dans aucune de mes parties. Si j'y arrive. Ok, on va essayer de forcer le petit truc ici. On va changer de doctrine. Toi, je te vire. Je vais mettre... Est-ce que tu trouves? Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc, marchand illustre. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Tant que j'y suis. Allez, on va confirmer. Combien de temps pour faire un rempart? 8 tours pour faire le rempart, mais t'es fou toi. T'es fou dans ta tête. Ah, il n'y a pas de production dans cette ville. Il n'y a vraiment pas de production. Catapulte. Ce qu'il me faudrait, c'est un arbalétrier 700. Il me faudra 2 tours. Ok, je vais faire ça. Aïe, 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 aïe. Là, j'ai peur. Là, je commence un petit peu à craindre pour ma ville. Casa de Contratación. Parce que les varous sont intéressants. Parce qu'ils te pourrissent la vie. Ils te pourrissent la vie, ils te pourrissent tes remparts de merde. Là, j'ai pas... J'ai mis encore... Aïe, aïe, aïe. Je fais n'importe quoi. C'est pas grave, je suis le roi des merveilles. Donc, on va essayer de faire en sorte que... Alors, toi, tu viens de construire une caravelle. Est-ce que tu peux aller détruire ces petites varous, là, s'il te plaît? Tant qu'ils sont sur l'eau, ils sont très faibles. Ok, toi, viens par là. Continue donc l'écurie. Alors... Filippo de je sais pas quoi vient donc ici. Je vais mettre le Cidel Carnes. Je vais te mettre ici. Je vais te demander de faire une petite truc. Ok, 8 tours. Et je vais pas utiliser la charge qui reste. Hein. Je vais l'utiliser ailleurs. Ok, 8 tours. Continue à faire ton rempart. J'ai toujours pas les 720 pour m'acheter un arbalétrier. Ok, attends. Elle m'aime bien. On va faire un petit marché. Alors, est-ce que tu veux des olives? Tu veux des olives? Donne-moi de la thune. 200, combien tu voudrais? 250? Non. Allez, 220. Non. 210? Punaise. Combien? 206? Ok, 206, 207. Non. C'est parfait. Je te remercie. T'as encore de l'argent pour un autre petit échange? Est-ce que tu veux des truffes? 300? 400? Ouh là là. Ouh là là. Ouh là 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 là. Attends, on descend un tout petit peu. Elle était d'accord pour 10 pièces tôt. Ouh, punaise. Vas-y, tiens, prends ça. Est-ce que elle a plus d'argent? Elle a plus d'argent. Elle a encore combien par tour? Elle a autant par tour. Est-ce que tu veux du... Non, elle a déjà du chocolat. Tu veux du fer? Non. Attends, je vais lui vendre mon libre passage. Qu'est-ce que tu voudrais? Ah, il faudrait que je la paye. Voilà. J'ai 1200 pièces d'or.
Et je vais vous pourrir l'air. Attends. Est-ce que j'achète le corsaire? Avec le corsaire, je vais les bourrer avant qu'ils arrivent. Il me faudra encore 7 tours pour 8 tours pour essayer d'avoir de la thune. J'hésite. Allez, tu sais quoi, on va y aller avec le corsaire. Punaise quoi. Là, elle a vendu, mais elle a vendu tout ce qu'elle avait. Punaise. C'est génial. Et il y a des apôtres qui se baladent dans mon territoire. J'ai oublié d'amener l'inquisiteur et l'apôtre. Mais il va attaquer mon apôtre qui est ici, tranquillement. En train de bronzer au temple d'Artémis. Ah, je vais le pourrir. Ok. Ces unités de merde, c'est une très bonne chose qu'ils soient sur l'eau. C'est Odank qui a déclaré la guerre à Tamar. Finalement, la coréenne, elle a un gros souci. Ah mais c'est maintenant que je vais avoir ma casa. Ok. Mais Tamar cherche aussi, hein, franchement. Elle cherche énormément. Mais c'est pas grave. Toutes les autres terres situées sur le versant occidental de la frontière appartiendront au roi et à la reine de Castille, puis à leurs successeurs. Oh yeah! Ce ne sont pas les hautes voiles, voile carrée, invisibles qui déplacent un navire. Si c'est pas génial. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette ville? Je finis l'atelier ou je lance. Ah mais je peux plus rien faire. Ah c'est enfin. Enfin je peux respirer. On va réparer donc l'ennemi saint. Toi je vais t'amener ici. Cette ville a énormément besoin de production. Ok. Viens donc là. Ok, ils sont trois. Je peux pas m'occuper des trois, mais... Oh là là, regardez ça, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors toi, viens donc ici. Je vais te déplacer quelque part. Je vais t'emmener ici. Je vais t'emmener là. Mais on va attendre quelques tours. J'aimerais finir le Holocé d'Elkarnas. Parce que avec le Holocé, je vais gagner une charge. Il en a déjà utilisé une, donc il va en gagner une. Qu'est-ce qu'on fait ici? Allez. Industrialisation, ça c'est génial. Plus 1 de production pour les mines, donc toutes les mines vont gagner 1, c'est génial. Titre de gouverneur, j'en ai 3 à dépenser. Rena m'intéresse. Et je vais lui amener son truc. Double le bonus, les bonus de proximité des plateformes commerciales et des ports, adjugé. Perceptrice, plus de d'or pour chaque citoyen, adjugé. Et sous-traitante, ça permet d'acheter des quartiers avec de l'or. Quand j'ai vu ça la première fois, j'ai presque pleuré. Ok, on a des émissaires, c'est pas grave. Est-ce que j'ai de la thune? J'ai pas de la thune. On va aller. Allez, coucou. Est-ce que tu veux m'acheter de la truffe? Ouais, mais elle veut pas l'acheter très cher. Ah non, j'ai déjà dû échanger la truffe, je pense. Ok. Ouh. Allez, on descend à 15. Alors, il y avait un bug. Il y avait un bug au tout début, à la sortie du jeu, où quand tu proposais donc des ressources aux civilisations, tu faisais... par exemple, tu mettais de la thune chez eux et tu disais qu'est-ce que tu veux, machin. Tu pouvais en faire en sorte en fait qu'ils te donnent tout l'argent qu'ils avaient. Et je sais pas si c'est ça qu'on revoit ici. Ça casse un petit peu le jeu quand même. Donc ça craint. Alors, il y a une route qui n'est pas active. Ah mais oui, c'est celle-là. Ok. C'est celle-là, elle est pas active, c'est normal. Ok. Pour pouvoir mettre ma place de théâtre, je vais devoir attendre les habitations. Où est-ce qu'il est? Il est ici.
Non, c'est toi que je veux. Lui, il a qu'une charge, donc on va... Avec le Holocé, ça va être bien. On va se faire plaisir. Alors, quelqu'un a fait la paix avec Will et Mine, c'est Robert Bruce. Ok. Là. Je commence à peser dans le game, je crois. Vous traitez de cornio, bla bla. Je vais tellement vous rouler dessus. Ok, changement. Dans 10 tours. Où est-ce que je suis? Je suis dans un âge normal. Si j'ai 123, je pourrais. Alors, on va activer ça. 4. Ici. Non, c'est le 4 qui m'intéresse. Donc on va y aller. 4 tours pour le OLC. Le OLC. La capitale, réparation, répare, on répare, on répare. Ou alors je fais l'atelier, 2 tours. Allez, on va réparer. L'atelier. Toi, tu viens ici, mais tu n'utilises pas ta charge. Qu'est-ce qu'on a? Oh. On pourrait buter celui-là, non? Ah. Allez, vas-y. On les affaiblit. Comme ça, Genève va les finir. Ça s'appelle le travail d'équipe. Alhambra, apparemment, je vais la voir. Donc c'est bien. Où est-ce qu'ils étaient, les apôtres? Ça, c'est un apôtre Mapuche. Je trouve pas de blague, donc c'est dommage. Mets-toi là et attaque-le. Ah, tu peux pas. Ok. On va mettre un inquisiteur. Ici. Ok. Je génère beaucoup de fois. Beaucoup trop de fois. Alors construction, les zones industrielles déclenchent une bombe. Ah, ça c'est pas mal. Hein. Mais c'est pourri. Il me faut 4 points. Donc si je finis une merveille, je vais avoir mes 4 points. Ah, vraiment? T'as cru que t'allais pouvoir me battre? Je suis trop puissant. Ah ah ah. Le guérisseur est un petit peu loin. Ah, ils sont là en fait. Ils étaient là. Stockholm. Et un amiral illustre. Ah oui, évidemment, un truc génial, c'est quoi? C'est d'utiliser par exemple les amiraux. Pas forcément les amiraux, mais les personnages illustres pour découvrir la map. Dans cette version, on peut pas les buter. Quand on les attaque, ils reviennent dans une des villes. Allez! Ça t'apprendra la vie. Je sais pas s'il avait martyr et c'était pour ça qu'il était venu ici, mais ça lui servira de leçon. Il vient donc ici pour protéger ce côté de la ville. Alors. Ce qui m'intéresse, c'est de buter lui. C'est le moins dangereux, mais il est niveau 2. Comme il est niveau 2, je vais gagner des points d'air en fait. Ok, on est à 3. Je vais acheter un bâtisseur. Et je vais mettre une mine ici. Il faut absolument une mine. Peut-être qu'on va gagner un tour, qui sait. J'ai la thune, j'ai vraiment de la thune. La foi, c'est génial. Je regardais les personnages illustres. Et... Attends, il y a quelque chose qui... Oh non! Oh, t'es sérieux, Langor Corvat a été construit. Ah, sa sœur. Ça va. Je vais pas... Je vais pas me plaindre. J'ai la moitié des merveilles. Dans une ville. Donc franchement, je vais pas me plaindre. Ok, c'est dommage. C'est dommage. Si j'avais eu le Holocé d'Alicarnac, j'aurais pu bourrer le truc. C'est pas grave. Donc le Langor Corvat, c'est plus 1 d'habitation dans toutes les villes et plus 1 de population. Donc non, il faut les formes délicates, gracieuses,
Tout paraît calculé pour inspirer des sentiments heureux et bienveillants. Oh yeah! Ha! Mais c'est pas grave, j'ai perdu une, j'en ai gagné une. J'ai gagné 3 points d'air. D'era? 3? Ok, je pensais que c'était 4. Je suis toujours pas dans un âge d'or. Et ça change dans 3 tours, c'est ça? Dans 8 tours, hein, ça va. Et c'est quoi le 3 ici? Ah oui, c'est peut-être il y a 3 choses que je dois encore faire dans la capitale. Ok, banque ou atelier? Toujours atelier. Pour aller plus vite, évidemment. Donc toi, j'ai fini l'atelier, on va réparer. Alors tu peux faire le Taj Mahal, où ça? Il faut que le Taj Mahal soit au... collé au truc. Ah, adjacent à une rivière, ok. Non, on va réparer l'hôtel. Ici. Je peux faire un lieu sain. Plus 1, plus 1. Je peux faire une place de théâtre. Plus 3 ici. Ah, c'est fumé. Plus 3 ici, c'est génial. Ok, donc ce qu'on va faire... Armée de terre cuite. Oh. Attends, qu'est-ce que ça donne l'armée de terre cuite? Toutes les unités actuelles reçoivent un niveau de promotion. Tous les archéologues peuvent pénétrer dans les villes étrangères. 16 tours. Bâtisseur, 1 tour. Je vais faire le bâtisseur. Oh punaise, j'avais oublié que j'avais le Magnus ici. J'avais complètement oublié. J'aurais pu forcer peut-être l'Angor Corvart. Alors, j'ai gagné une doctrine militaire. Ça me sert à rien, mais pourquoi pas. On va mettre ça, on va gagner peut-être une pièce d'or. On va gagner une pièce d'or. Le reste, on garde. Ici, tu viens là, tu nous fais une mine. Une mine. Je n'ai pas l'accent, donc... Voilà. Enfin, j'ai pas envie de gueuler aussi. Hop, fais dodo. Bon, toi, tu sers plus à rien. Tu sers plus à rien, mais viens donc ici. On peut peut-être essayer le Oxford. Alors toi, regardons comment est-ce qu'on va gagner des points d'air. Hell yeah! Ok. Notre corsaire a réussi à vaincre un vétéran ennemi. Plus 3, c'est juste fumé. Et donc là, je vais être dans une... dans un âge doré. Tu peux vite finir ton Zimbabwe, s'il te plaît. Toutes les routes sont occupées. J'ai combien d'or? J'ai 450. Le phare coûte 480. On peut l'acheter au prochain tour. Ça m'éviterait de le construire. Ah là là, Stockholm a changé de religion. Qu'est-ce que tu me demandes? Former une frégate? Et il n'y avait pas un lancier que je... Ah, punaise. Ah, mais je fais n'importe quoi, moi. En fait, je fais pas les quêtes des cités-états. Parfois, je les réussis comme ça, sans savoir ce qu'elles voulaient. Mais ce serait bien de leur accorder un petit peu d'importance. En tout cas, l'Inde s'est barrée avec juste un corsaire. Si c'est pas magnifique. Et le corsaire est indétectable, tant qu'il n'y a pas d'unité à côté. C'est l'ancêtre du sous-marin. Ok, changement d'air dans cette tour. Alors toi, viens donc ici. Viens donc ici. Et je vais me pourrir la partie si je fais ça. Regardons un peu la ville, où est-ce que tu as accès? T'as accès à ici. Allez, qui ne tente rien à rien. Je vais t'effacer. Alors, donc on va obtenir des ressources, ça va augmenter nos pourcentages de réussite. Combien de temps ça va prendre? 6 tours normalement, regardons ça. Ça va prendre 6 tours parce que j'ai machiavélisme d'activer. Alors toi,
Fais donc la petite mine ici. Oh. Ah, je peux pas accuser l'hérésie. Ah mais non, je suis pas en guerre contre lui. Je suis bête. Ok, quelqu'un a un problème d'habitation. C'est la capitale. Répare-moi le temple, s'il te plaît. Toi. L'armée de terre cuite. Qu'est-ce que tu peux faire? Un éclaireur, c'est 30. Regardons un peu. C'est 30. On va bourrer les trucs. 24, ok. Ah non, 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 attends. Je vais faire un lancier plutôt. Regardons. Est-ce que le lancier demande beaucoup de production? Le lancier demande 65. C'est vraiment 65? Comment ça se fait qu'il va le faire en un tour? Ok. Je vais pas dire non. On va faire un lancier. Et puis ici, qu'est-ce que tu peux faire? Un chevalier, blablabla. Fais donc une mosquée. Non, fais un rempart. Fais les remparts. Je crains rien. Putain, c'est tombé. On va faire la mosquée tranquillement. C'est quoi cette merveille? Angkor Wat. Ok, on va voir le Holocé. Alors toi, fais dodo. J'ai des cases à aménager. Il y a deux olives que je pourrais avoir. Et vendre. Sans honte aux civilisations. Allez. Là, je perds 3 de production pour le petit Holocé, mais ça peut être pas mal. Ça peut vraiment être pas mal. Ah, mais punaise, j'ai pas appuyé sur suivant. T'es sérieux? J'étais en train de me dire, ah tiens, je vais avoir le truc. Alors, il y avait un endroit où je pouvais faire donc une place de théâtre. C'était ici, plus 3. Ok. Parce qu'à un moment, ça serait bien de commencer à générer quand même un peu plus de tourisme. Et je vais tenter une victoire culturelle, je pense. Je pense que c'est ce que je vais essayer de viser. Dans une partie en empereur où je chope la plupart des merveilles, je crois que c'est parce que ce sont ces civilisations-là. S'il y avait par exemple le chinois... Qui d'autre? C'est le chinois qui me vient en tête. C'est difficile d'avoir des merveilles avec lui. Un immense tombeau me surplombe à Halicarnasse. Un tombeau si grand, si magnifique, qu'aucun autre ne lui arrive à la cheville. Les nouvelles opinions sont toujours considérées comme suspectes et habituellement critiquées, sans autre raison que le fait de ne pas encore être commune. Le développement de notre flotte militaire a engendré l'apparition d'un amiral illustre dans nos rangs. Une fois déterminé. On a un amiral illustre? T'es sérieuse? Attends, le Holocé donne un amiral? Attends. Ah, octroie un amiral illustre gratuit. Oh, c'est génial. Ok. Je sais même pas ça. Viens ici. Non. Je vais arrêter l'épisode ici. On va voir si je peux choper Oxford. Oxford est ici. Ça demande énormément de production. Je me demande si je peux l'obtenir. Mais si je vais... Oh là là. Si jamais je l'obtiens pas alors que j'utilise les deux charges. Bah d'ailleurs ici on va vérifier. Donc là j'ai deux charges. Parce que j'en ai gagné une. Donc avec le Halicarnasse. Donc je vais arrêter ici, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Memoria. Allez, salut!